Regarde là.
il y a le temps de vous mettre en place, vous reviendrez dans quelques instants. Les seconds avec la vitre du financeur, avec Fabien Poissac et Eric Brolliquet. Deuxième de ce classement réservé au trophée national Yakotair. Vous allez descendre de voiture, messieurs. Classement réservé aux voitures Gacombe Motrice, on le rappelle, hors catégorie Rallye 2, qui occupe très souvent les places d'honneur du côté du classement en général. Bon, ce sera une deuxième place dans le trophée là ce week-end. Bon, les gars, on est très contents. On a bien roulé, on s'est vraiment régalé. Bon, je suis content pour Eric qui est en podium parce qu'au Carnaval, il n'était pas avec moi. Et, voilà, c'est un super pote et un super pilote. Tout va bien, ça promet pour la saison 2023 en remplir. Oui, on va en faire quelques-uns, on ne sait pas trop quoi. On va en faire quelques-uns. Ouais. Eh bien, dans tous les cas, remontez à bord, vous vous mettez en place dans le phare berger, vous allez venir pour nous retrouver pour le podium du trophée national Yakotair. Ça va, mais à côté, au ralenti avec nous. Ouais, je pense. Derrière. Sur les 200 mètres. Il peut le faire. Et Michel Bourgard, que l'on peut bien sûr applaudir tout ceci en musique, mon cher Michel, pour le dernier podium, finalement, de cette saison de 2022. C'est beaucoup d'émotions visiblement. Hein. Ouais, ouais, très sympa. Ouais. Très, très ému. Il va faire les courses, Fabien. Faut y ramener les automobiles. Le temps de charger tout ceci dans la Mitsubishi. Dans la seconde roue, pardon, autant pour moi. Je sais pas pourquoi tu dis ça. C'est la fatigue. Hein. Oui. C'est la fin de saison pour nous aussi. On est tous un peu de la même région. Ah ouais. Allez, on charge tout ça dans le coffre. L'équipage. Et on va accueillir derrière, a priori, une roue motrice qui se profile à l'horizon. Pour la suite de ce plateau qui va en terminer. Nico, viens. Terminer tout le clé. Mais non, ne cache pas. A tout à l'heure. Merci à vous. Super. Marine, viens vite. Laissez habiller. Dépêchez-vous, il y a...